Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Ace Project. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire qui est pas mal utilisé chez nos amis coursiers, le crossover net. C'est ce filet-là qui vient se plaqué sur la face avant du sac à dos. Pour l'installer, rien de plus simple, 6 points d'attache. Je vous recommande de commencer par le bas. Donc les boucles du bas viennent se caler sur les fenêtres en nipalon. Les boucles latérales viennent se mettre sur les sangles latérales du sac à dos. Les petits hooks d'en haut viennent se glisser sur les sangles latérales. Comme d'habitude, on met le T de manière parallèle à la sangle. On vient la glisser ici pour faciliter l'entrée et on vient la mettre en butée. Rebelote de l'autre côté. Donc là, on se retrouve avec un filet qui nous permet de ranger pas mal d'affaires. On peut venir mettre un pull, un manteau. Si l'on va travailler à vélo et qu'on ne veut pas se retrouver toute la journée avec son casque dans les mains, on peut venir le glisser ici. Ou si on a un casque de vélo un peu volumineux comme celui-là, on peut venir donc tout simplement décrocher les boucles latérales. Hop, décrocher une boucle ici du haut. On colle son casque là et on vient fermer la boucle supérieure. Et là, on a un casque qui ne bouge pas. Nos amis coursiers l'utilisent également pour transporter des cartons. On peut venir jouer un petit peu sur la profondeur du filet en rajoutant des sangles S, M ou L, nous permettant d'avoir un débattement beaucoup plus profond du filet. Alors j'espère que vous avez bien aimé ces petites astuces. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve très rapidement sur d'autres tutos Ace.